Bonjour à tous, c'est Nico Gage 13 et aujourd'hui je suis sur PES 2016. Et comme vous pouvez le voir, les mises à jour en direct sont présentes avec une petite mise à jour qu'il y a eu. Bon, c'est même pas une mise à jour, hein, c'était juste une mise sur le jeu. Aujourd'hui est le 1er octobre 2015. Alors on va faire un OM-PSG. Voilà. Alors les équipes à jour, c'est qu'elles sont que disponibles dans le match d'exhibition. Elles sont pas disponibles envers une légende ou la Ligue des Masters. Bon, là je ferme l'équipe. On va enlever Sarr et mettre Alexandrini. On va enlever Zambo et on va mettre Lucas Silva. Je vais enlever Manquillo que bon, j'ai déjà pu le voir, il est mal fait. Du coup, je vais mettre Rekik. Ah non, Rekik qui va au milieu. Je vais mettre. Comment il s'appelle? À droite. Ah voilà, c'est Isla. Voilà. Après, il y a qui a changé? Je crois que c'est tout. Voilà. Je pense que c'est tout là pour cette équipe. Voilà l'équipe, je crois que c'est la normale. À part Isla, il y a Manquillo, mais bon, comme il est mal fait, je préférais vous mettre Isla. Et là, c'est Mendy, je préférais vous mettre De Ségui pour le voir. Et déjà, il est bien fait, alors que Mendy est mal fait. Et on va commencer de suite ce match. Alors, je suis en 7 minutes et je suis en haut niveau. Après, je vais vous faire une autre vidéo, je vais vous faire la finale de l'UEFA Europa League. Là, je suis avec Chelsea en UEFA Europa League et je suis en quart de finale, je crois. Donc, je vais essayer d'aller jusqu'en finale et après, je ferai la finale avec vous. Et vous verrez que sur Chelsea, j'ai le bon logo. Bon, déjà les noms de toutes les équipes anglaises, je les ai mis. J'ai mis tous les bons logos. Et après, j'ai reproduit quasiment. Moi, j'ai reproduit tous les maillots. Presque. Ils sont presque identiques en fait. Il manque que le sponsor. Après, je suis arrivé à importer le logo. Bon, voilà tout. Le logo. Le logo et. Bon, et les marques, c'est ça. Après, je vous montrerai comment j'ai fait car. Bon, sur PS4, ils ont l'importation d'images, donc pour eux, c'est facile. Mais pour ceux qui sont sur PS3, Xbox 360 et Xbox One, ça, peut-être ça peut vous aider ou voilà. Oh. Bon là y a pas faute. Bon là je vais mettre en pause. Vous montrer les visages des joueurs. Alors, on va commencer Mandanda, qui est bien fait. Rekik, qui est très très bien fait. Oui, je suis d'accord, c'est sans doute un grand talent offensif. On a une Koulou qui est très bien fait aussi. On a Isla, voilà, qui est bien fait. On a De Ségui qui est bien fait. On a Lassana Diarra, bon, lui qui est très très mal fait. Lui ressemble alors pas du tout. Là, on a Lucas Silva qui est très bien fait. Barada qui est très mal fait. Alexandrini, alors lui il est entre bien fait et mal fait. Bon, on le reconnaît bien. Là on a Cabella, bon, qui est entre bien fait et mal fait aussi. Il est plus dans le mal fait je trouve qu'Alexandrini. Mais ça on le reconnaît à peu près. Et Batshuayi qui est mal fait. Après là on passe sur Paris, on a Trapp qui est mal fait. Bon, Thiago Silva. Marquinhos, Aurier, Kurzawa. Par contre là on n'a pas David Luiz. On a Stambouli, bon, qui est très très mal fait. Alors là il ne ressemble pas du tout, il ressemblerait plus à Rabiot qu'à Stambouli. Là on a Verratti qui est très très bien fait. On a Pastore aussi qui est très bien fait. On a Di Maria, très bien fait aussi. On a Lucas, très bien fait. Et Zlatan, bon lui, c'est limite un dream photo. Et bon, voilà, là il manque Cavani aussi dans l'équipe.
Bon voilà, on va passer au match. Enfin, on était déjà sur le match, mais on va y retourner. On va essayer de s'appliquer, essayer de remporter ce match. Le beau tacle d'Enkoulou. Il faut faire les bons choix. Enkoulou qui part seul dans le couloir. Voilà, j'ai bloqué parce que Thiago Silva me rattrape. On va faire tourner, on va revenir derrière sur Alexandrini. On attend toujours le premier tir. Ah, je crois qu'il est hors jeu. Ouais, effectivement, il est hors jeu. Il s'est raté heureusement parce que. Et c'est intercepté. Zlatan était passé devant mon défenseur. Il a tenté cette passe dans le dos de la défense, mais c'est intercepté. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. Allez, on commence à s'ennuyer là. Ce match manque de but. Voilà. Alexandrini. Le centre. Batshuayi. Non. Lucas Silva. Oh, le tir. Oh, le but de Lucas Silva qui est juste énorme. Le gardien a sans doute été masqué par sa défense et après il n'a plus le temps de réagir. Très beau but là de Lucas Silva. Le ballon qui ressort à la surface, contrôle poitrine, tir et le but. On va voir le ralenti de ce but. Alors le centre Alexandrini qui va être envoyé par. Le défenseur, je crois que c'est Thiago Silva. Ah non, contrôle du pied, tire pied gauche et le beau but. Finalement, elle a pas fait un contrôle poitrine, il a contrôle du pied normal et le tir derrière. Ils ouvrent le score, c'est un but qui vaut cher. On va faire tourner encore, on va essayer d'aller en mettre un autre. Oh là là, oh cette passe. Voilà. Corner. Bon, je vois ça sort. Ah non, c'était compliqué. Bon, on va la jouer là sur le côté. Bon, ok, si tu veux la passer à l'adversaire, passe la à l'adversaire aussi. C'est ton choix. Si tu veux qu'on perde, continue comme ça. Hein. Voilà, on la récupère. Longue ouverture. Bon, comme tu veux, tu pars. Hein. Voilà. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison, c'est un véritable cauchemar de défendre lui. Benjamin Stambouli. Rosaba. Pastore. Marco Verratti. Bon. Voilà, bonne récupération de Rekik. Et là on relance avec la Sanadjara, profondeur pour De Sigli. Bon, il n'y a personne et puis c'est Guémar. Voilà, Batshuayi tout seul. On va tirer. Ah, please. Il arrive à passer sur moi. Voilà, bonne récupération d'Isla. Ah bon, ça sort. On va faire tourner, voilà, c'est bien. Voici Di Maria, la phase est précise. Di Maria. Voilà, c'est bien joué. Bon voilà, l'arbitre siffle la mi-temps. 1-0, bon.
d'implication dans les jeux. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Bon, au moins on gagne, c'est déjà ça. Bon, on part de suite sur la deuxième mi-temps. Voilà, on va pas laisser Latane jouer. Ça peut être dangereux. Bah, tu voyais. Tire. Bon. C'était ambitieux, c'est sûr. Un tir de si loin. J'espérais pas faire. Je n'aurais pas marqué, mais bon, on sait jamais si le gardien la relâche et ça remet sur un autre joueur. Oui. Oh. Oh là là. Allez, là, ça m'a déjà reprendu le ballon. Voilà, ça c'est bien. Il n'y a pas faute. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la. Voilà, allez. On n'a pas énormément de solutions là avec l'OM. Les joueurs qui se proposent pas énormément. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Allez. Isla. Allez, Sandrini. On trouve la faille dans la défense. Bah, tu voyais. Encore. Oh là là. Tire trop fort. Se mettre là et lui là-haut. Pastore, Kurosawa, Lucas Moura. C'est bien de conserver la balle, mais il faudrait penser à attaquer, messieurs. Pastore, et le geste plein d'autorité. Oui, beau tac de Lucas Silva. Ouais, c'est tiens, c'est arrêt de trappe. Voir le tir au ralenti. Bon, là on va pas très bien voir. Une personne pourrait dire que les caméras sont très mal faites, mais en fait la caméra, faut s'imaginer que il y a vraiment un mec qui filme, donc pour suivre un ballon aussi rapide, c'est difficile pour lui. Mais bon, pour nous qu'on voit l'action, c'est vrai, on voit rien du tout. On va jouer là, voilà. Alexandrini et le but d'Alexandrini. Et il compte maintenant 2 buts d'avance. Il était bien tiré ce corner et le timing parfait. Voilà, ça c'est une tête, un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction et ça vous donne un but. Alors le corner très bien tiré de Cabella. Bon, Alexandrini qui passe devant Stambouli et qui marque. Ouais, 2-0 à la 5e minute. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre. Ah, Cabella qui récupère déjà le ballon. Le dribble de Cabella. La roulée de Cabella. Et le but de Cabella. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Énorme action de Cabella là. Qui a tout fait tout seul, qui récupère le ballon, qui dribble et puis qui met un bel enroulé. Voilà, ce dribble là très bien fait, et l'enroulé aussi très bien placé. Sortie de Kurzawa et entrée de Maxwell. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Marco Verratti. La défense bien présente. C'est un peu brouillon en ce moment. Oh, Pastore. Il joue dans la profondeur. Oh, on va jouer à la tête pour Mandanda. Le Paris Saint-Germain manque un peu d'inspiration. Là, on va essayer de repartir. Il a tourné le ballon, mais il ne trouve pas la faille. Voilà.
Ah, oh, mais il prend pas le ballon. Voilà, bien joué. Voilà, oh, Kabela qui part. Oh, Kabela. Qui part à côté. Oh, je suis en train de passer le milieu des deux. Kabela encore. Kabela. Le tir de Kabela. Et le doublé de Kabela. Kabela qui fait deux actions juste énormes. Encore une feinte qui passe entre les deux défenseurs. J'ai cru que... Je sais pas, je crois que c'est Verratti l'avait récupéré, mais en fait non. Et cette frappe en force. Ah, juste énorme ce Kabela. Voilà, feinte. Oh. Bon, je crois que c'est Verratti qui réagit même pas. Le ballon il est à ses pieds, mais il bouge pas. Bon. Tant mieux pour nous. Voilà. Lucas qui sort et l'entrée de Cavani. Il était fini, crevé, carbo comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire. Mais désormais, ils ont l'air intouchables. Ibrahimovic. Il glisse le ballon. Oh là, cette action. Oh, bien joué. Il faut le garder à l'œil celui-là. Je sais pas si Mandanda l'a touché ou il s'est raté complètement. Mais Mandanda a fait une très bonne sortie. Oh, Cavani tout seul. Bon retour d'ici là. Contre-attaque, bon. Finalement, l'arbitre a soufflé la fin de ce match. Victoire de 4-0. On a vu aujourd'hui quand même de gros problèmes défensifs au niveau du marquage. Comme on dit, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Il n'y a plus de classement qui tienne. Bon, ben voilà, il y avait une position de balle 50-50. Mais bon, on a eu de meilleures occasions, mais... On les a mis au fond. Tout au long de cette rencontre, très belle soirée à tous. À très bientôt, salut. Homme du match Kabela, bon, je m'en doutais pas. Bon, ben voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt.